Bienvenue aujourd'hui les amis pour ce nouveau défi Topin sur Fortnite Battle Royale. Le défi d'aujourd'hui sera le skin d'animal aléatoire challenge. Alors en quoi cela consiste? Je vais tout simplement me rendre dans mon casier de skin Fortnite. Et comme vous pouvez le remarquer en favori, j'ai mis tous les skins d'animaux. Donc tous des skins qui n'ont rien à voir avec un être humain. J'ai 5 raretés de skins. J'ai les skins légendaires, les skins épiques, les skins rares, les skins atypiques. Et comme vous pouvez le remarquer juste ici, 2 skins blancs. Quand je vais lancer ma partie, j'aurai un skin aléatoire et en fonction de la rareté de la couleur du skin que j'aurai, je serai obligé de récupérer telle ou telle couleur d'arme pour pouvoir faire mon top 1. En sachant que les 2 skins blancs, si je tombe sur un skin blanc, ça signifie que je peux récupérer que des armes grises. On est parti pour la première game, let's go! Je suis parti pour ma première partie, attention, le skin que j'aurai est le skin... Oh, c'est le skin Trog! Non, attends, ça je pense c'est un skin rare, ouais, effectivement. Non, non, un skin épique! Un skin épique, donc je suis obligé de récupérer que des armes épiques dans cette partie pour pouvoir faire mon top 1. Ça va être difficile parce que les armes épiques, c'est pas comme si c'était facile d'en avoir tout le temps. Pour ce faire, je me dirige tout droit vers Pleasant Park en espérant, bien sûr, trouver notre première arme épique le plus rapidement possible, histoire d'avoir quelque chose pour se défendre contre un ennemi, parce que si je n'ai pas d'arme pour me défendre contre un ennemi, la seule chose qui peut me faire défendre, même si c'est pas français, c'est ma pioche, si vous voyez ce que je veux dire. Si j'arrive à trouver des grenades, ça comme les grenades, ben voilà, magnifique. Comme les grenades, c'est pas une arme, je peux utiliser les grenades pour essayer de tuer quelqu'un, mais on va pas se mentir, tuer quelqu'un à la grenade, c'est pas comme si c'était facile. On va voir dans les coffres, c'est là, dans les coffres, que j'ai le plus de chances de trouver quelque chose, mais pour le moment, on a rien à part des armes vertes. Non, en vérité, je vais pas vous mentir, quand je fais... Oh non, j'ai cru que j'avais une arme épique, mais on a un bazooka épique. Comment tu veux tuer un mec avec un bazooka à bandage épique? Non. Eh, par contre, Fortnite ne me fait pas des faux espoirs comme ça directement. Là, je lance ma partie, tu me donnes un truc épique, mais ce n'est pas une arme. Ça commence déjà très mal. Bon, malgré ça, les amis, on arrive quand même à se mettre à 200 HP niveau soin. On est plutôt bien avec le bandage épique, on va pas se mentir, c'est plutôt bien. Dommage qu'on peut pas tuer quelqu'un avec une canne à pêche, aurait été magnifique. En sachant que je pense que depuis la chapitre 2 de Fortnite, les raretés épiques et légendaires des armes sont beaucoup plus difficiles à avoir. Donc on va galérer, je pense, à trouver notre première arme. Quelqu'un, pour le moment, je récupère que des armes grises et des armes vertes. Ouh, ouh, no way, il y avait un ennemi. Oh. Non, gros, gros. Gros, what the fuck! Attention, voyons voir le skin que nous avons pour cette deuxième partie. Oh, on a un skin d'un ours. Oh non, encore. Et c'est encore un skin épique. Non, sérieux, je récupérais que des armes mauves durant toute cette game pour faire un top 1. Bon, bah, c'est comme la première partie, on n'a pas eu de chance. Je vais pas te mentir, j'aurais préféré tomber sur un skin blanc, un skin vert ou un skin bleu. Je vais pas te mentir, c'est les skins les plus faciles pour ce challenge. Mais bon, c'est le jeu, les amis. Je suis obligé de récupérer que des armes épiques pour terminer ma game et essayer de faire un top 1. Parce que oui, c'est le but, les amis. Mais attends, c'est quoi là? Il y a un truc épique. Ah, j'ai cru que c'était une arme, mais c'est un poisson épique. Bon, c'est déjà bien un poisson, mais j'aurais préféré qu'il drop une petite arme épique. Oh non! Justement, je voulais utiliser ma canne à pêche pour essayer d'avoir une petite arme, mais le mec a déjà pêché dans l'endroit ici, donc je peux pas... Ah là 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 là, on n'a pas de chance, hein, les amis, on va pas se mentir, c'est galérance ultimement, quand t'as un petit skin épique, et j'imagine même pas encore un skin légendaire, tu sais, c'est le pire. Il est là, il est là, il est là! Oh, faites qu'il me voit pas, faites qu'il me voit pas. Oh, c'est bon, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Bon, tu sais quoi, on va prendre le bateau, et on va s'en aller dans la zone, parce que de toute façon, je ne suis pas dans la zone. Oh, il me tire dessus, non, monsieur! Oh, bébé! Oh là! Non, le mec il me tire dessus! Oh! No way! No way! Il vient vers moi! Je ne peux absolument rien faire. What the fuck? J'ai grave le seum parce que regarde là-bas, il y a un lama. J'ai pas d'arme! 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 Oh! Regarde ça! On commence très mal ce challenge, les amis. On a encore réussi à tuer personne depuis le début de cette vidéo. Attention, le skin qu'on aura. Oh! Oh yes, let's go! C'est le skin du cerf, le cerf de Noël, et c'est un skin de couleur bleue, donc je suis obligé de récupérer que des armes bleues pour pouvoir faire mon top 1. Je suis satisfait. Oui, merci monsieur, merci Fortnite de m'avoir donné un skin comme ceci aléatoirement. Ça fait plaisir, parce que mec, je serais tombé sur un skin légendaire, mec. Oh oh! T'imagines même pas la galérance ultimement ce que ça aurait été. Donc là, objectif de cette partie, trouver une arme bleue le plus rapidement possible. Mec, si je trouve pas d'arme bleue et que je meurs, mec, ça serait un truc de fou malade. S'il vous plaît, une arme bleue, une arme bleue, une arme bleue. Jusqu'ici, je vois que des armes vertes, mais bon sang de bonsoir, on ne voit que des armes vertes. Yes, arme bleue, let's go!
bon, c'est la pire arme bleue qui existe sur Fortnite Battle Royale, mais c'est une arme bleue, donc je suis satisfait. Parce que tant que j'ai pas d'arme, je peux pas me défendre. Donc ça, c'est très très bien, mec. Oh, let's go! Un autre coffre juste ici qui nous offre une petite SMG bleue. Let's go, ça vous commence bien, ça, mon ami. Ça veut dire que c'est la game du top 1. Let's go! Attention, un autre coffre, là. Et... oh, arme verte. Non, 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 arme bleue, s'il vous plaît. Oh, attends. Oh, il y a un fou malade qui m'attaque. Il y a un fou malade qui m'a tiré dessus. J'espère qu'il est pas chaud. Oh, oh, c'est le mec. C'est le mec de la game précédente, c'est une blague. Non, c'est un sketch. Non, vraiment. Genre, c'est vraiment sérieux. Ok, tranquille. On a des potions. Il n'en avait pas, je pense. Oh, attention. Oh, c'est le kill qui passe. Crème, c'était chaud. Oh, yes. Il avait un pont bleu. Mais ça, si c'est pas magnifique. Regarde ça, notre stuff. Regarde ça, notre stuff. Et le petit harpon bleu en plus de ça. Mais mec, c'est magnifique. Oh là là, regardez notre inventaire. Là, il nous reste plus qu'une petite AR bleue. Et on sera nickel pour commencer cette fameuse game du top 1. Par contre, faut que je fasse gaffe parce que de ce côté-là, en ouest, il y avait quelqu'un qui m'avait tiré dessus. Je sais pas du tout d'où il me tirait. Sûrement du champ, donc il va falloir quand même faire attention. Oh, il est là. Oh. Mais gros. Mec, t'as vu ce qu'il m'a mis? Ok, il a pas de vie, donc ça devrait le faire, j'espère. Mais mec, il m'a mis trop mal, man. Bon, j'ai vraiment peur, là. J'ai vraiment peur parce que c'est très, très, très serré. Il est dans les fougères, il est dans les fougères. Pourquoi tu joues à ça? Tiens, on va essayer de se mettre le medkit, même si c'est ultra... oh, gros. Attends, il faut que je récupère des constructions. Oh! Il a plus de vie, il a plus de vie. Il a complètement plus de vie, mec. On espère que ça va réussir à mettre le kit. Il va casser la construction. 2... 1. Ok, on a 100 HP. Let's go, bébé. Let's go, bébé. Là, il a pas intérêt à nous buter. Parce que s'il arrive à me buter, c'est qu'il y a un problème, mon ami. Oh non! Oh là là, c'était chaud, les amis. What the fuck? Le mec m'a mis complètement des dégâts absurdes. Mais le positif, les amis, c'est qu'on n'est pas mort. Et là, il y a un petit medkit qui va nous mettre bien, les amis. C'était vraiment chaud. Hein. C'était vraiment chaud les amis, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oublie pas le petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. On est passé proche, proche, proche de la mort. Et niveau construction, je suis à zéro. À zéro, à zéro, oui magnifique. En fait je pense que mon erreur au tout début, c'est que le mec, j'ai essayé de lui mettre un harpon dans la figure. Mais j'ai mal visé et le mec m'a mis un double headshot, mec. Et quand quelqu'un te met un double headshot, ça niaise pas, ça fait très très mal, mec. Donc là, objectif, se faire un maximum de construction. Et en vrai, je vois pas quelle arme je pourrais avoir de mieux. Là, j'ai le meilleur stuff en vrai. J'ai toutes les meilleures armes de Fortnite niveau couleur bleue. Attends, là, on va pas se mentir. Les petites potions se mettent à 200 HP et les constructions, c'est le plus important juste maintenant. Regarde ici, il y a des palettes en bois. Tout le monde sait très bien que les palettes en bois, c'est ce qui farme le mieux du bois dans Fortnite. Les constructions, on va en avoir à foison. Ça, mon ami, si c'est pas magnifique, attention, non. Pas de petite potion. Ah, mais je réfléchis à quelque chose, les amis. Oh, regardez, pour le moment, j'ai une AR bleue et je me disais, tiens, c'est vrai que pour le moment, j'ai un très bon stuff et je peux pas avoir mieux. Mais si, les amis, je peux avoir mieux. Regardez, on va se diriger vers la table de crafting. Et c'est vrai qu'il y a moyen de faire une arme bleue encore plus puissante que celle que j'ai déjà. Oh là là, j'ai une bonne idée juste ici. Par contre, j'espère que j'aurai assez de matériaux. C'est de ça que j'ai peur. L'objet ne peut pas être amélioré. Attends, si, si, regarde. F. Ok, let's go. Et normalement, j'aurai... oh, la nouvelle AR. Ça, si c'est pas magnifique. Bon, ça m'a coûté 60 de construction, mais c'est pas bien grave. Ça coûte pas très cher. Et voilà, donc là, on a une arme qui fait beaucoup plus de dégâts. Cette arme a beau faire beaucoup plus de dégâts, elle est beaucoup moins précise. Donc, va falloir que je fasse vraiment attention. J'ai pas du tout l'habitude de jouer avec cette arme parce qu'elle a été rajoutée depuis peu. Car c'est une arme qui date depuis le chapitre 1 de Fortnite Battle Royale. Et depuis, c'est la première game que je joue avec cette nouvelle arme, les amis. Du coup, je sais pas comment ça va le faire, mais bon, je prends le risque. En tout cas, les amis, j'espère que mon skin de serre aléatoire challenge va me porter chance. Et notre but, vous l'avez compris, les amis, le top 1, c'est mon but aujourd'hui, durant cette vidéo. Oh, là, j'entends... j'entends clairement quelqu'un. Ouh, il sort d'où? Oh, j'ai mis 50. J'ai mis 50 de dégâts. Attends. Heureusement, j'ai des constructions, gros. Wow, je l'ai mis mal. Je sais pas comment je l'ai fait pour lui mettre mal. Mais, oh, en plus, il a l'air d'être chaud. Ok. Ça, c'est chmette, ça. Je m'attendais pas du tout à rencontrer un joueur juste ici, là, comme ça, là. Oh, ça, c'est bien dommage, ça, mon ami.
Ok, j'ai l'edit, mais je suis tellement nul en edit, donc je vais pas faire le fou. Ok, il est descendu d'un étage, deux étages. Gros! Reviens ici. Ok, touché, 23 sur les... Oh là 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 là, les amis! C'était chaud, c'était chaud. Heureusement que j'avais des potions, parce que là, il a failli me tuer, il m'a mis une bonne balle. Et heureusement que je l'ai tué, hein, c'était... Oh, let's go, il avait des potions en plus de ça. Ah là 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 là. Oh là là, en plus, il avait des constructions. Eh bien, écoutez, c'était chaud, mais j'ai bien fait de le tuer. Je suis plutôt satisfait de ce qui vient de se passer. Magnifique. Et en plus, il fallait du challenge, hein, parce que sinon, c'est trop facile de faire un top 1, mec. Attends, le mec, il m'a mis quand même quelques dégâts, là. Attends, la zone commence à se rétracter beaucoup plus, là. On va se mettre sur le petit feu de camp, histoire de se régénérer les HP. Mais le problème, c'est que mon feu de camp, il va sûrement amener des ennemis. On arrive proche du top 10, les amis. On arrive proche du top 10. Attends, réfléchissons. Je pense que les ennemis vont être beaucoup concentrés dans cette zone-là. Du coup, on va se diriger vers les montagnes juste ici. Essayer de se mettre bien dans une bonne position. Il faut jouer stratégie, les amis. On rentre dans le top 10. C'est comme ça qu'on doit jouer maintenant. Donc, attends, on va récupérer le reste de ces constructions en bois. Et on va directement se positionner dans la zone. Et pour vous dire que si j'avais pas eu mon fusil à pompe, je n'aurais pas réussi à le tuer, le mec. Hein. Heureusement que j'ai réussi à lui caler des bonnes balles au fusil à pompe. Sinon, le mec, il avait l'air vraiment d'être chaud. Oh là là, je suis passé à côté du pire, les amis, c'est dingue. Ok, la zone est justement près du verger, juste ici. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille sur les montagnes avant que quelqu'un y aille avant moi. Même si là, on dirait qu'il y a... Oh, attends, il y a un mec là. Il y a un mec juste là, il y a un mec juste là. Attends, on va se cacher. Ok, c'est bon, je lui ai mis 100 dégâts, ça c'est bien. J'ai eu quand même de la chance sur ce coup-là. J'espère que... Là, il est pas en train de manger des potions. Ok, d'accord. Je sais pas quel skin il a en général. Oh non, me dis pas qu'il a signé Skull Trooper OG. Oh, il a l'air d'être chaud en construction quand même. Je vais descendre. Je vais pas faire le fou. On va casser la construction, même si j'arrive pas à casser une construction. Wesh. Oh. Roquette, roquette! Heureusement, j'ai des constructions, moi. Non! Oh non, il y a quelqu'un d'autre qui se ramène, le pire cauchemar. Deux gens fils, je déteste ça. Oh non, non, non. En plus, c'est un Skull Trooper OG, quoi. Ça veut dire que c'est un skin rare, genre vraiment rare. Oh man, what the fuck? Oh, ça se bat! Sans déconner, ça se bat? Ah, attends. Attends, vas-y, sors ta tête, sors ta tête. Oh là là, les amis, j'ai peur, qu'est-ce que je suis censé faire? Ok, qu'est-ce que je fais? Oh, le mec est mort de dégâts tués, c'est une blague. 4 de dégâts, c'est une blague. Non, non, ça peut pas être 4 de dégâts. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il nous veut, lui. Oh. Non, gros. J'ai pris trop de risques, là. En venant dans cette zone, j'ai pris beaucoup trop de risques. Je pense qu'on va s'en aller, parce que là, on a quand même utilisé 1000 de constructions. Il me faut quand même que j'ai des constructions pour le reste de la game. Donc, je vais m'en aller sur la montagne, comme j'avais prévu de faire depuis le début. Le problème, c'est que le Skull Trooper, là, c'est un OG skin, c'est un vieux joueur. Donc, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Allez, attention, j'ai vraiment peur. Je peux me faire shooter à n'importe quand, à n'importe quel moment. Ok, c'est bon. Ok, on est sur les hauteurs du jeu. Là, il y a beaucoup de constructions. Il doit sûrement avoir des ennemis. Regardez là-bas, d'office. J'ai vraiment peur, les amis. J'ai vraiment envie de réussir ce challenge, les amis. En tout cas, je compte sur vous. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes vidéos lorsque j'en sors une nouvelle, bien entendu. On va récupérer, s'il y a moyen, des petits sapins en plus. Parce que moi, je veux du bois. Je veux du bois à l'infini. Oh, mon sang de bonsoir. Si j'avais des constructions à l'infini sur Fortnite Battle Royale, ça serait génial. Ça serait génial, mais ça serait un peu de la triche. On va pas se mentir. Ok, la zone est juste là et malheureusement, la zone se trouve dans les vergers. Il y a juste une petite hauteur juste là. Donc on pourrait aller juste là pour créer notre base. J'ai vraiment peur qu'il y ait un mec sur ma droite parce que d'office, là, il y a plein de constructions. C'est full de constructions. D'office, on va rencontrer des gens. Oh, là, il y a un mec. Je vois un mec. Il y a un petit poisson juste là. Il ne m'a pas vu. Moi, je l'ai vu. Je vais voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il va descendre les hauteurs? Attention. Ah, je pense... Yes. Ok, c'est bon, je lui ai mis un moins 70 dans la tête. Ça, c'est bien. C'est bien, mais le problème, c'est que maintenant, il sait ma position. Il doit sûrement se remanger des petites potions. Il y a un mec juste là-bas. Écoutez, il reste 5 ennemis juste pour le moment. Et je suis pas...
Je ne suis pas en sécurité pour le moment. Je vais pas vous mentir que je commence à stresser. Ce n'est pas bon pour la santé, ça, de stresser. Jean-Fils, qu'est-ce que tu fais? Ok, là, on est dans une plutôt bonne hauteur. On va, pourquoi pas, commencer à faire notre petite base juste ici. Voilà, clairement, on est bien parce qu'on est dans la zone. Et on a un accès, on a une vue pas mal aux autres ennemis. Je sais que là-bas, tout droit là-bas, il y a des ennemis que j'ai vus. Le petit poisson ici, il a pas cherché à m'attaquer. En même temps, il a raison parce que j'avais beaucoup trop d'avantages sur lui. Oh! Oh là là! Non, il me casse mes constructions! Allez! Moins 40 dans ta tête! Ne casse pas mes constructions, s'il te plaît, quand même. Moi, je suis gentil. Mais, enfin, gentil, pas du tout. Mais ça serait sympathique que tu ne casses pas mes constructions. Non! 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 Il a cassé ma construction en métal, mais à quoi tu joues? Oh, il y a un mec là. Il y a un mec derrière moi. Gros, 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 il y a un mec derrière moi. Et heureusement que j'ai vu, il y a un mec derrière moi là. Attends, c'est dangereux ça. Attends, attends, what the fuck. Attends, on va faire gaffe, mec. J'ai quand même peur. Oh là là là, qu'est-ce qu'il se fait. Oh ouais, il y a clairement un mec. Oh non. Non, me tire pas, toi. Qu'est-ce qu'il fait? Non, je suis désolé, je m'excuse. Je m'excuse. Ok, c'est quoi? On va faire ça, comme ça, on sera double protégé. Pourquoi tu fais ça? Gros. Attends, attends, attends. Il faut que je me concentre sur le mec qui est derrière moi avant, tu sais. Oh là là, j'ai tellement peur. Gros, what the fuck? Non! Oh, il s'est fait toucher. Let's go. Ah, c'est le mec, le poisson qui est dans... C'est le poisson depuis tout à l'heure, là. Il joue avec nous. Et c'est à cause de lui que la situation est grave. J'essaie de grailler une potion. Attends, on va se mettre bien. Ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud. Ça va être très perspicace, les amis. En plus, on n'est pas dans la zone, là, clairement. Oh! D'accord. Holy bébé, t'es sérieux? Non, oui! Gros, j'ai 7 HP! Comment il a fait? J'avais. J'ai passé 200 HP à 7 HP en un rien de temps, les amis. J'ai pas eu de chance, mais bref, on a raté ce challenge. En tout cas, je compte sur vous pour t'abonner à ma chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné, c'est extrêmement important. Et pour les amis, on se dit à la prochaine! Tchuss!